Salut à tous, aujourd'hui on se fera une nouvelle vidéo. On va faire du Clash of Clans. Vous pouvez voir que là je suis directement parti en attaque. Parce qu'en fait j'ai eu un problème de vidéo et j'ai dû relancer le rec. Alors, du coup. Ah mince, tu vois, j'étais en full barbare en fait juste avant. J'ai oublié de changer. Alors là, du coup, j'ai passé ma machine niveau 5 au niveau de ce village. Alors, on va accéder au pouvoir. Là, vous pouvez voir le méga mortier qui est en réparation, ça c'est nickel. Alors. Il est vraiment trop cheaté le pouvoir. Hein. Le pouvoir il est vraiment. Bon, l'héros qui meurt. 55%, c'est pas mal. Donc, là, on va aller sur. Ah, ça vous dit si c'est YouTube. Donc c'est quoi ma chaîne? Ah oui, et juste aux 50 abonnés, il y aura aux 50 abonnés, il y aura un live spécial. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Alors là, vous pouvez voir que j'ai préformé des troupes juste avant. Donc je pense que c'est parti, on va juste attaquer la première fois, parce que la deuxième fois, ça n'a pas fini de former. Donc je fais une petite recherche, cherche des gens. Alors lui, on pourrait gratter bien l'HDV. En plus il a 30 trophées, on va y aller le prendre. Il a 30 trophées, ça c'est cool. On va foutre là parce qu'en fait c'est du coup je foudre les deux défenses qui sont aériennes. Donc là on va poser tous les dragons. En fait, je les pose de ce côté pour qu'ils aillent sur cette antérienne et sur HDV en même temps. Donc. Ah, oh purée mince. J'ai cru que j'avais pas encore posé mes zéros, du coup j'ai activé le pouvoir du roi. Sans faire exprès. Donc, l'HDV qui va tomber, ça c'est nickel. Je pense même qu'on va partir sur un petit 2 étoiles là. Ouais, sur un petit 2 étoiles, je pense. C'est cool, c'est cool. Alors. Ok. La reine qui s'acharne sur un rempart. Ok. On va quitter. Voilà. Donc. Un petit. Du coup, on a eu combien de trophées? On a gagné plus 9 trophées. Ah mince, j'ai pas laissé faire les 50%. Mince, ah j'aurais dû laisser. Donc là on va repréformer pour après. Ou sinon vous pouvez voir qu'on a aussi on a j'ai lancé la GDC. Donc là elle est en attente. Hein. On va bien voir contre qui on tombe. Oula, excuse-moi. J'espère qu'on va tomber contre des gens. Voilà quoi. J'ai compris assez nul. Du coup et surtout vous pouvez voir que là du coup enfin la première guerre on l'a perdue. Mais tous les autres on les a gagnés. Et là donc on a 5 guerres d'affilée gagnées. Alors je pense que c'est vraiment pas mal. Ah, donc allons voir l'autre village. Là on va attaquer. Donc si je pose là il attaque par là. On va poser tout là. Ouais, j'avais arrêté d'utiliser le full barbare. Je me suis remis à utiliser. À ce niveau, ça va, c'est pas mal. Donc. Ouais, on prend HDV. Je pense qu'on va partir sur 50%. Alors, voyons voir. Ok, non, en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Il y avait le broyeur et on n'avait pas assez de pourcent. Ok, donc, là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Il n'y a pas un truc à améliorer. Non, il n'y a rien à améliorer. Donc, là, je pense directement qu'on va partir sur un petit compte. Faire des attaques aussi un peu. Puis après, on reviendra encore une fois sur ce compte pour faire cette attaque. Donc, à tout de suite.
Et de retour, on se retrouve sur mon petit compte. Donc là, on va aller, on va aller attaquer. Parce que du coup, j'ai aussi formé ici. Ah oui, j'ai pas, j'ai formé beaucoup de choses pour cette vidéo. Donc là, on va aller attaquer. J'ai fait une compo basique un peu. Antirien, non. Un truc assez sympa à faire. Là, je pense que je vais arriver, genre, je vais détruire l'antirienne de ce côté au géant. Et puis après, on va aller. On va directement là. Ok. Et on va poser du coup les archers qui vont faire le taf, qui vont raser derrière. Okay, cool, les archers qui font le tour de sorcier là. Oh, si ça reste de côté, c'est cool. Ok, alors excusez-moi, je reviens en deux secondes. Bon, je suis de retour et c'est moi. Donc alors, ok, on va, ouais, non, on pas besoin en fait. Alors la guérison, c'est bien le top. Quel âge qui va tomber? Je pense qu'on peut partir sur un 100%. Il n'y a rien sur les côtés, donc je pense qu'on va partir sur un 100% en fait. Ok, et la dernière défense qui tombe aussi. Vraiment, j'aime bien cette compo en fait. En fait, c'est une compo que j'utilise un peu rapide pour former, les trophées sur le petit compte. Alors. Après, c'est pas très intéressant, une fois qu'il n'y a plus de défense ni rien, c'est pas très intéressant de regarder le combat. Et je crois qu'il y avait une Tesla qui était sortie. Ok. Donc. Il reste plus que quelques trucs à aider des chevaux, s'il vous plaît. Regardez, je peux le voir, il nous reste vraiment pas mal de géants. Ça, c'est dire qu'on était large, quoi. Bon, c'est bon, le 100% qui est fait. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que on va aller essayer de retourner sur le gros compte. Donc on se retrouve sur le gros compte. À tout de suite. Et on se retrouve sur le gros compte. Alors, ça a bientôt fini pour nous. On a 5,90. Le coco, on est fou. On j'aime. C'est ce que j'aimais. Alors, attendez, je vais regarder un truc. Ok, c'est bon. Donc, recherche d'adversaire. Excusez-moi. Vous pouvez voir que niveau élection noire, je suis vraiment fou. Alors après, je vais vous montrer le laboratoire et vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de la nouveauté. Qu'il y a rien qui a fini. Et puis mais là, comme je sais, je vais pas faire 100%, mais je pense que c'est pas mal de me faire quand même. Une fois qu'on y pense, c'est pas mal.
Le dragon. Je tape cheval dans la vie aérienne. Et cette coupe, je crois que ça coûte un petit 50%. Oula! C'est la première fois que j'en vois. Non, en fait, c'est badass. Hein. C'est bien badass de comme ça. Par c'est très loin la tête. Sans perdre de pied, mais la plus hyper puissant. Hyper puissant, mais très loin la tête. Vu que c'est vraiment, je sais pas, mais c'est pas vraiment comme ça. Et en tout cas, il est vraiment plus fort. Voilà un pack, là on a fait ça. Donc. Ok, là je devais qu'il va sûrement tomber. Excusez-moi, je dois faire un truc. Toute petite coupure ensuite. Excusez-moi, je suis de retour donc là. Ok, bon, les gens en vrai, je pense que là c'est bon, on a fait nos attaques de ça. On est déjà à 12 minutes de vidéo donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et surtout, dites-moi que avec l'élixir trouvé là dans le laboratoire là, vous me conseillez d'améliorer quoi? Dites-le moi s'il vous plaît. C'était Anti-Falls. Salut.